Bonjour chers tous, heureux d'être là avec vous encore avec une pensée à tes résolutions répondra le succès. Oui, ma prière c'est que ce que nous avons résolu de faire par la grâce de Dieu, nous puissions l'accomplir. Une résolution c'est plus qu'une décision, c'est une détermination à avancer malgré tout. Je te rapporte une histoire que tu connais peut-être. Il s'agit de l'histoire de Daniel et de ses compagnons. C'est des jeunes juifs qui étaient tranquilles dans leur pays, mais ils ont été envahis par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui les a amenés en déportation. Mais ces jeunes gens connaissaient l'Éternel, ils aimaient l'Éternel, ils étaient fidèles, mais malgré tout, ils ont été amenés en déportation. Le roi avait fait le choix d'amener des jeunes de race royale, noble, pour aller travailler dans la cour du roi. Mais ces jeunes-là, malgré la déportation, quand ils sont arrivés à Babylone, sont restés fidèles à Dieu. Ils ont dit, nous n'allons pas nous souiller par les mets du roi et par le vin que le roi boit. Ils sont restés déterminés et fidèles à Dieu. Dans un groupe, ils étaient là à apprendre les lettres des Chaldéens comme les autres. Mais à la fin des 3 ans, le roi a vu que Daniel et ses compagnons avaient une intelligence bien supérieure que les autres. Alors ils ont eu des places privilégiées dans ce royaume-là. Et par la suite, ils ont eu encore des ennemis qui ont voulu les arrêter. Ils ont connu la fournaise ardente et Dieu les a délivrés de là. Ils ont connu aussi, Daniel notamment, la fosse au lion et Dieu est intervenu pour le sortir de là. Ces jeunes ont été déterminés pour être fidèles à Dieu, mais le succès les a accompagnés. C'est notre pensée pour aujourd'hui, pour nous encourager les uns et les autres. Si nous sommes déterminés à accomplir les œuvres de Dieu, alors marchons dans l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole permet à Dieu d'accomplir ce qu'il veut dans nos vies, afin que ce que nous avons résolu de faire, nous puissions avoir le succès. Le succès ne peut venir que par Dieu, et c'est en Dieu seul que nous avons pleinement la victoire, le succès, la réussite. Alors que Dieu nous donne d'être déterminés et de marcher dans l'obéissance en cette année nouvelle-là, afin que le succès nous accompagne. Soyons encouragés. Allez, à très bientôt. À tes résolutions répondra le succès. Bye bye.